C'est une première pour Colas. Après la France et le Royaume-Uni, Recycol gagne l'Arabie Saoudite. Pour ce chantier entre Médine et Tabouk, ce sont 20 km de chaussée qui ont été retraités sur 10 cm d'épaisseur. Cette solution d'entretien du patrimoine routier rapide et efficace s'inscrit dans une démarche durable grâce au traitement à froid et à la préservation des ressources naturelles. Le déploiement de Recycol dans un nouveau pays a été rendu possible grâce aux synergies à l'œuvre dans le groupe. L'expérience de Patrice, chef d'équipe chez Colas depuis près de 20 ans, celle de ses coéquipiers, experts de la solution Recycol, et le suivi technique des équipes du laboratoire central de Colas Maroc. Bonjour, je suis Patrice Bossan, chef d'équipe Recycol à Colas Saint-Astier. Aujourd'hui, nous sommes sur un chantier autoroute au nord de Médine, en Arabie Saoudite. Dans un premier temps, la recycleuse rabote la chaussée à rénover. Les matériaux sont malaxés avec de l'eau et de l'émulsion, puis remis en place par un finisher et les cylindres compactent l'ensemble. Le chantier étant au milieu du désert, la solution Recycol a été choisie car elle permet de réutiliser les matériaux en place. Cette technique nous permet de ne pas évacuer les matériaux rabotés ni apporter de nouveaux matériaux. Cela génère d'importantes économies de transport et un bilan carbone bien meilleur que les méthodes traditionnelles.